Exercice 1. Question de cours. Complétez les phrases ci-dessous en utilisant les mots suivants. Balance, masse volumique, baromètre, pascal. La pression atmosphérique se mesure à l'aide d'un baromètre. L'unité internationale de pression est le pascal. On mesure la masse à l'aide d'une balance. L'unité internationale de la masse volumique est kilogramme sur mètre cube. Effectuez les conversions suivantes. 13 kg égale 13 000 grammes. 14 mg égale 0,014 g. 1,5 hectopascal égale 1,5 millibar égale 0,0015 bar. 12 hectopascal égale 1200 pascal. Associez à chacun des documents un état de matière. Document 1, l'état liquide. Document 2, l'état solide. Document 3, l'état gazeux. Exercice 2, masse volumique. Une plaque a une masse de 3,55 kg et un volume de 396 cm3. 1. Exprimez la masse de cette plaque en grammes. M égale 3,55 kg égale 3550 g. Calculez la masse volumique de cette plaque en grammes par centimètre cube. Rho égale la masse sur le volume égale 3550 g sur 396 cm3 égale 8,96 g par centimètre cube. En quel matériau la plaque est-elle formée? On donne. D'après le tableau, la plaque est formée de cuivre. Exercice 3. La pression. On enferme de l'air dans une seringue reliée à un appareil permettant de mesurer la pression. Comment se nomme cet appareil de mesure? Cet appareil de mesure se nomme un manomètre. Que signifie l'indication hectopascale portée sur cet appareil? L'unité de pression utilisée dans le manomètre. Comment varie la pression si l'on tire le piston de seringue? La pression diminue lorsqu'on tire le piston. Saïd a relevé la valeur de la pression pour différents volumes d'air, mais il a mélangé les résultats. Aidez Saïd à compléter le tableau ci-dessous. Valeur de la pression 1414 hectopascal, 820 hectopascal, 1640 hectopascal, 1007 hectopascal. Justifiez votre réponse. On remarque que le volume augmente successivement. Alors la valeur de la pression va diminuer successivement. Pour 25 ml, la pression aura 1640 hectopascal. Pour 35 ml, la pression aura 1414 hectopascal. Pour 43 ml, la pression aura 1007 hectopascal. Pour 50 ml, la pression aura 820 hectopascal.